Aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter le Challenge Tarine Espoir, donc le CTE. Donc c'est vraiment une journée où on va mettre en avant les jeunes. Donc sur cette journée, il y a 60 jeunes de moins de 25 ans qui vont se mettre en concurrence sur un concours de meneurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des jeunes animaux qui ont entre 2 ans et demi et 3 ans. Et en fait, il faudra les conduire le mieux possible sur le ring. Voilà, donc ça, c'est la première compétition. Et la deuxième, ce sera la compétition de pointage. Donc là, il y aura un expérimenté qui va faire un pointage, donc le pointage morphologique. Et en fait, on met des notations sur les animaux. Et les jeunes feront leur pointage à leur tour. Et ce sera le meilleur des pointages qui gagnera aussi le pointage. Ils ont une grille de notation. À côté de ça, ils ont une table de pointage où en fait, chaque critère morphologique de la vache est étudié, noté. Donc on apprécie les profondeurs de flanc, enfin toutes les mesures de corps, l'inclinaison du bassin, la qualité des aplombs et ensuite tout le côté détail de la mamelle. Donc ils ont toute une notation à établir. Moi en amont, j'ai également noté les vaches et en fait le jeune qui sera le plus proche de mes notes gagnera ce concours et aura le droit d'être juge stagiaire sur le concours de la race à Paris lors du Salon de l'Agriculture. Et bah, en fait, c'est tout un art de mener. En gros, on doit présenter la vache pour l'améliorer, montrer son meilleur profil, en gros, démontrer que ton animal est bon, cacher ses erreurs. Faire attention à déjà pas mélanger les pattes pour mettre en valeur la mamelle. Oui, c'est essentiellement des jeunes agriculteurs qui sont issus de formations agricoles, quoi. Mais ça peut être aussi ouvert à tout le monde, à tous les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture et puis au milieu rural. C'est important de le montrer et on travaille tous les jours avec le syndicat pour ça, pour favoriser l'installation dans notre département et montrer que l'agriculture a encore un avenir, quoi.